Konnichiwa minasan, Candy Des. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous montrer mon appartement, ma petite colocation avec mes colocs. Bon, mes colocs, je leur parle pas beaucoup, mais elles sont là. On va commencer par le commencement, c'est-à-dire l'entrée. Tada! Donc en japonais, ça se dit Genkan. À différence de la France, au Japon, quand on rentre, on retire ses chaussures juste là. Où vous voyez les chaussures pour pouvoir monter dans la maison. Et voilà, l'entrée, il n'y a pas grand chose à dire. On range ses chaussures ou ses parapluies dans ce petit meuble que vous trouvez là. Et après, une porte, c'est une porte. Hein. Du coup, pour en faire visiter, sur la gauche, il y a une porte entrouverte. Et il s'agit de ma chambre. Voilà, donc là, on se trouve dans ma chambre. Dans ma chambre, qu'est-ce que vous avez? Une armoire qui se dit tansu en japonais. On a un lit, beddo, une fenêtre, mado, fenêtre que l'on peut ouvrir, je peux vous montrer. Mais aujourd'hui, comme vous pouvez voir, il fait un temps de merde. Vraiment un temps de merde. Voilà. On entend la pluie. On entend le fait que je puisse pas aller au magasin et faire de vélo. On est triste. Bon, sinon j'en profite pour vous dire qu'on a un petit balcon qui se dit balconi en japonais. Et on a une petite barre aussi et qui sert à mettre dans notre linge pour le faire sécher. Voilà le petit côté pratique. Alors, sur ma chambre, qu'est-ce que je peux dire? J'ai un bureau, ça se dit tsukue en japonais. Et une chaise, isu. Après, ma légère décoration de chambre. Qu'est-ce que j'ai? Un plan touristique de Yamaguchi, vos contreparties Tipeee, des cartes pour apprendre mon vocabulaire, un calendrier, le fameux papier pour les poubelles, et ça, oh ça je vais vous montrer. Parce que ça c'est la technologie. Ça règle le climatiseur. Climatiseur qui se trouve là, il est là. Ce climatiseur, c'est en même temps un chauffage, donc on a tous des petits boutons. Alors si je me trompe pas, celui-là c'est pour allumer et là c'est pour changer les modes. On a aussi tous ces petits boutons qui servent un peu à orienter l'air, de quel côté il va et tout plein de trucs. J'ai pas fini de traduire parce que j'ai pas eu le temps. Et en plus de tout ça, on a ceci qui sert à gérer la lumière. Lumière, bon, elle se trouve là, hein, voilà, où on voit rien quoi, où il y a la lumière. Et elle règle l'intensité, donc ça peut être le plus fort en lancement, jusqu'au plus petit. Voilà. Et là, il y a les éteintes. Voilà. Et on rallume. Magie. La technologie au Japon, on apprécie. Du coup, je vous fais continuer la visite. Si on va tout droit, on a les fameuses toilettes. Allez, on va rentrer. Tada. Les fameuses toilettes. Avec les boutons et tout le tralala qui se trouve juste là. Voilà. À côté des toilettes, on a la salle de bain. Donc on a tout ce qui est... Ah oui, toilette, c'est toilet ou otearai. Donc on a le lavabo avec le miroir et... on a la douche. Tada! Et le bain. Donc la douche c'est shawa et le bain c'est ofuro. Voilà, voilà. Petit vocabulaire en plus, c'est toujours pratique. Donc là, l'entrée est derrière moi et on a une porte. Derrière cette porte, il y a quoi? Et on a tout simplement la salle à manger. Donc voilà, avec une table et des chaises. Table, c'est teburu en japonais. Et on arrive enfin à la cuisine. Tada! Voilà, du coup, cette cuisine, c'est là où je vais vous faire toutes les vidéos de cuisine, dont la première vidéo qui devrait sortir dans quelques jours, je pense. Vous faire un petit ryokuri, vous apprendre à le faire, parce que c'est l'une des choses très bonnes au Japon et très simple à faire. Du coup, on en profite. Voilà, pour le vocabulaire, le frigo, c'est la isoko,
Après, je sais pas, il y a trop de trucs à dire. Si vous voulez du vocabulaire de la maison, dites-le moi en commentaire, je vous en donnerai. Et du coup, pour finir, là, il y a la chambre de ma coloc australienne. Et là, juste là, c'est la coréenne. Voilà, voilà, la table, j'ai tout montré. On a même un aspirateur. Aspirateur Tom Daisuki. Et voilà, c'était un peu rapide. En vrai, c'est pas non plus immense parce que bah, on est trois et ça suffit largement, sachant que la journée, on va en cours. Du coup, voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'est une vidéo simple, rapide et efficace, je pense. Si vous voulez savoir d'autres choses, je ne sais pas, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous aimez, à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Voilà, je vous invite à le faire, vous pouvez le faire. Vous avez l'autorisation. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine et à bientôt pour une nouvelle aventure.